batteur, Omar, comment il s'appelle, le batteur? Connu, hein? Très connu. Ah. Bon, j'étais en train de préparer. Le batteur, il s'appelle... Enfin, on ne le présente plus. Oui. Et il s'appelle Lapoix, quand même. Lapoix. Non, non, là pas encore, encore. Mieux que ça, hein. Oui, oui, oui. Oui, oui. Yeah. Le bassiste maintenant. Alors, le bassiste. Là, le bassiste. Voilà. C'est Elhaj Boktel. Le bassiste. Voilà un phénomène, un véritable phénomène. Hein. Alors, les claviers, il y en a deux. Il y a deux claviers. Alors, celui qui est derrière toi, il s'appelle comment? Le claviste derrière toi. Derrière moi. Ah, ouais. L'anglais. L'anglais, oui. Ah, l'anglais. L'anglais, c'est Kevin. Eh hey. Il vient d'où, là? Omar? Ah, mais attention. Il vient d'Angleterre, hein? Alors là, il a un nom, c'est un Sénégalais. Oui. Il s'appelle Kevin Eladji Mali. Ok. Kevin. Kevin, c'est quelqu'un qui a un accent, n'est-ce pas? Qui a l'accent de Ibrahim Sané, qui parlera dans un instant du stage avant, c'est ça? C'est un Britannique aussi, Kevin. Alors, le deuxième, l'autre claviste, il s'appelle, oui. L'autre, il s'appelle, on l'appelle d'habitude Ousou Bombay. En fait, pour. Ousou Bombay? Ah. Mais il s'appelle Ousmane Sow, voilà. Ousmane. Yeah. On n'a rien entendu. Ah oui, oui. Oui. Alors, le guitariste qui est nouveau dans le groupe, n'est-ce pas, qui a une superbe coiffure de Rastaman, mais qui a des solis de malin, très très bien inscrit, très bien assis. Il s'appelle comment, Omar? Oui, c'est Rasta qu'on voit là, très cool, parce que les Rastas sont cool. Oui. Ça ne me surprend pas, parce qu'en fait, on dit que les Rastas ne mangent pas de la viande. Oui. C'est pour ça qu'il est là, très cool. Là. Quand on ne mange pas de la viande, c'est... Végétarien, oui. Ah, ouais. Végétarien. Mais il s'appelle Lai, Abdoulaye Star. Abdou. On n'a rien entendu.
Le problème, ça, c'est que quand même, les gens ici veulent entendre un solo, n'est-ce pas? Pas des accords comme plaques, hein? N'est-ce pas? Alors, on peut entendre un peu ton doigté, là? Voilà. Très bien. Va pour le solo. Yeah. Ça. Merci. Alors, le sabar qui fait danser Ibrahim Sané depuis le début de l'émission, c'est qui? Comment il s'appelle le sabar? Sabar, là, c'est Alassane Djibo. C'est le neveu de Aziz Seck. Voilà, c'est la même famille. Ouais, il est à la classe, qu'il faut, voilà, justement. Et c'est la classe en plus. Allons à la salle du coup. J'ai avec moi quelqu'un, s'il vous plaît. Mega, non, il ne chantera pas. Parce que nous avons décidé justement que Mega ne chantera pas, n'est-ce pas, Fanny? C'est Fanny qui a décidé ça. Alors, moi, je suis pas d'accord sur le principe. Hein. Mais c'est Fanny qui a décidé. Alors, tu voulais finir la présentation des musiciens, hein, et puis on aura notre très cher ami, justement. Okay. Donc, il est là avec sa coiffure. Alors, Maïga, on va continuer. Avec la coiffure. Alors, lui, quand même, c'est assez particulier. Oui, c'est assez particulier, parce que là, il va tout de suite chanter cette chose. Il chante très, très bien. Oui. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Mais ses camarades l'appellent Chicken. Chicken, c'est très bien. Ah, Chicken, ça veut dire le poulet, hein. Poulet, hein. Bon, d'accord. Donc, c'est déjà tout ça. Bon, c'est Ibrahim Issa Maïga. Mamadou. Hé, hey, Maïga. Oui, il faut qu'on t'entende un peu. Hein. Maïga, oui. Je vais faire un petit. Oui, chose. Voilà. Petit quelque chose à Maïga. Très belle voix, Maïga. Oui. Yeah. Micro. Continue wayando tout avec une pas. Sangiri nangiri nangiri gindad. Sangiri nangiri nangiri gindad. Sangiri nangiri nangiri gindad. Romana. Sangiri nangiri nangiri gindad.